Super ce footing, vous avez fait la brillante démonstration que vous êtes le meilleur alors que vous n'en faites jamais. Mais le lendemain, une violente douleur au tendon d'Achille vous rappelle que celui-ci déteste être malmené. Comme tout tendon, le tendon d'Achille est l'objet de deux types de pathologies, la tendinite et la rupture. La tendinite correspond à une réaction inflammatoire liée à son usage trop intensif et surtout dans des mauvaises conditions. Il est l'apanage essentiellement des coureurs, des volleyeurs, des basketteurs, mais aussi des joueurs de tennis. Ses causes favorisantes sont principalement les mauvais terrains d'entraînement et notamment les sols trop durs ou trop tassés, les exercices trop importants ou inhabituellement trop durs et surtout les chaussures en mauvais état dont les talons sont usés. Son diagnostic est bien connu de tous les sportifs chez qui survient bien trop souvent encore des douleurs à la marche ou à l'effort ou un dérouillage matinal douloureux. Son traitement comporte l'application de pommades et la prise de comprimés anti-inflammatoires, mais surtout du repos, condition sine qua non à une guérison de bonne qualité, mais qui hélas n'est jamais pratiquement respectée. Par ailleurs, une autre cause de tendinite du tendon d'Achille est apparue avec une famille d'antibiotiques, les fluoroquinolones. Si vous prenez ces traitements et que vous ressentez une douleur au niveau du tendon d'Achille, il faut immédiatement arrêter le traitement. En conclusion, faites attention aux douleurs du tendon d'Achille qui doivent être soigneusement diagnostiquées et traitées, surtout chez les basketteurs, les volleyeurs et les coureurs, dont elles sont véritablement le talon d'Achille.